Et voici, comme promis, la vidéo avec les trois tailles de Ken Fashionistas 2017. Donc, pour se rendre compte, je les ai mis tout nus. C'est pas bien confortable pour eux, je suis désolée. Donc, on a donc au milieu, donc avec le modèle black, le Ken aux mensurations normales. Donc, celui sur ma droite est le broad, le musclé. Et donc celui sur ma gauche, le slim, donc le fin. On voit là nettement les différences de taille déjà au niveau de la hauteur. Là, il faudrait celui-ci, je dois remettre voilà, un petit peu plus bas. Je pense qu'ils sont de la même taille les deux derniers. Par contre, le premier est un peu plus petit. Donc là où c'est flagrant, c'est au niveau des torses, donc, comme vous pouvez le voir. Hein, on a vraiment un torse presque de garçonnet sur le premier, avec on va dire des petits pectoraux. Et après, au niveau des jambes aussi, quand même, elles sont bien plus fines. On a plus de muscles sur celle du milieu. Ensuite, au niveau, je voulais essayer de vous montrer. Voilà, si on les met de côté, voilà les bras aussi. Hein. Donc voilà le modèle normal, le modèle slim et donc le modèle musclé. Je vais essayer de vous montrer aussi au niveau voilà, du torse. Celui-ci est vraiment très large. Je voulais essayer voilà, de le mettre sur le côté. Parce qu'en fait, voilà, il est. On pourrait dire que c'est un petit peu comme les curvy parce que. Là, la taille sur le normal, on a la taille qui est resserrée ici. Et vous voyez l'épaisseur qu'on a là. On l'a aussi là au niveau du ventre. Alors, on va leur faire faire le petit train. Et là, on a le petit modèle un peu rikiki. Ça fait des trucs bizarres avec les cannes. Voilà, comme ça vous pouvez voir au niveau des torses, donc la différence d'épaisseur de torse et au niveau des cuisses, là c'est vraiment flagrant. Au niveau de la grandeur des pieds, je ne sais pas s'il y a une différence, si le premier a des pieds un petit peu plus petits, on dirait quand même. Donc voilà, donc on se retrouve comme avec les Barbie Fashionistas avec trois tailles différentes, donc on va être embêté pour les habits. Donc, il va falloir faire un petit peu des tests pour pouvoir habiller ces messieurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.